Et toi? Lily Kateo, tu viens, chère dame, tu viens parce que avec tu prends le micro. Mais comment est-ce que tu viens seule? Elles ont peur. Moi je suis à l'église. Moi je chante à l'église. Oh, pointe les sous-sous. On va dire que je chante pour Popo Miyake. Parce que bon, ce qu'on a vu avec Popo Miyake, c'est qu'il nous a fait. Non, mais on l'a pas vu de toute façon. Elles sont toutes en noir et blanc, donc on ne sait pas laquelle on a vue. On ne sait pas. C'était toi. Thierry, tu fais peur aux filles. Ah, ben oui. Hein? Elles se sont bien occupées, elles se sont très bien occupées de nos ventres. Mm-hmm. Hein? Malgré que Bimsi va polémique, la souka entre Jancy et la caméraman Nabisso. Miyake. Il était venu il y a longtemps. Il ne nous écoutait même pas quand on a commencé. Il dormait. Et à Poitiers. Oui, à Poitiers, caméraman Nabisso. On appelle en Poitiers Siko. Il est depuis qu'il était là. Il dormait. Dormez, pas possible, hein, qu'on dorme, il y a qu'on nîme à boire, hein, vous voyez. Ah non, et juste derrière lui, il y avait à manger, il ne savait pas. Alors il se réveille, il voit la bouffe derrière. Non, Antena, il y a des... Bref, c'est ça l'histoire, dans la colère, oh, voilà. Noël, il y a son amateur encore. D'accord. Bonne année, voilà. Hein. Alors, on va sortir année. Là parce qu'on ne nous voit pas. Ah, c'est la nouvelle année, donc voilà. Bon, Lily. C'est un peu ce qui se passe dans les coulisses. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire et venir à ton restaurant? Quand c'est déjà un groupe de plus de 4, je vous conseille d'appeler. Il faut d'abord appeler pour... au 089 60 18 184, je répète, 089 60 18 184. Alors, est-ce qu'il y a des places spéciaux là-bas? Il y a des menus du jour? Tu peux dire un peu? Oui. En Romain, qu'est-ce qui se passe là? Les piles, il n'y en a plus? Voilà. Pour demain, aujourd'hui, par exemple, le premier. Donc, on a des menus pas chers du tout. Vous pouvez manger, boire pour 10 dollars. 10 dollars seulement. Alors, rappelle-nous l'adresse, qu'on sache très bien. Mm-hmm. Donc, c'est sur Avenue Kessavobou, direction Kabambar, donc avant Croix-Rouge. Exactement sur Avenue Lapoula, numéro 116. 116, dans la commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa. Le numéro, c'est le 089 60 18 18 4. 089 60 18 18 4. Appelez à ce numéro pour rejoindre Lilika Teolo avec son restaurant. On dîne chez Lilika Teolo. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce qu'il y a une question là? C'est une passion. Qu'est-ce qui est une passion? Gérer un restaurant ou la cuisine? Il faudrait dire que j'ai été moi-même, hôtesse. J'ai été moi-même hôtesse, chef de rang pendant un temps. Et j'ai fait ça à l'école. Hein. C'est vraiment, ce n'est pas quelque chose comme ça qui m'est venu du jour au lendemain. J'ai apprécié, j'ai toujours été dans la mode. J'ai toujours aimé les travaux bien faits et j'ai toujours aimé l'esthétique. Et j'ai toujours aimé la présentation des assiettes. Mm-hmm. Et je me suis dit... C'est un art, ça aussi. Voilà, hein. C'est un art, justement. La présentation des plats, préparer, ça va, mais comment les présenter? Ouais. Et quand j'étais à l'école, donc j'ai appris à travailler en salle. Et comme en Europe, on vous apprend et la salle et la cuisine. Bon, là, c'est moi qui fais à manger actuellement parce que j'ai une idée que je veux qu'on la suive et que je voudrais vraiment que le plat se présente comme moi je veux qu'elle soit. Voilà. Alors, je crois qu'il faudra qu'on passe vraiment un de ce jour faire une émission parce que c'est vrai que nos mamans, en tout cas les Congolaises, hein, elles savent préparer, mais présenter les plats, c'est autre chose, tu vois. L'ambikibilo est akitoko, mendeng ochelon la scène mutatali et silici et posa ya kolia. Il y a mille façons de présenter sa bouffe na sani, de présenter ses plats sur la table, de décorer la table. Donc mutazo ya na nukutu bachebilo te mais façon Monica de ochemé ça. Et puis, si est pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Donc, de retour ici, Nandengotanga, avec ce que tu as eu. Et donc, tu as ouvert Ondine. Ondine chez Lilika Teolo. Teolo. En fait, j'ai toujours voulu faire la différence, pas dans un esprit de compétition, simplement parce que j'ai toujours voulu être unique.
Et je sais que le plat où je ne vais pas créer, je vais dire, la chèvre uniquement pour moi, mais je veux que ma présentation soit unique. Je veux que mes assiettes soient vraiment uniques et mon service vraiment, qu'on ne trouve ça que chez Lilika. Mais une jeune comme ça, il y a des gens qui vous accompagnent en cuisine, vous avez des maîtres quand même. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont bien, ils sont, j'ai une dame directement, et oui, exactement. Mais le problème c'est que moi j'ai une conception, je ne veux pas que ma cuisine ressemble à la cuisine de quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas que mon service soit similaire à quelqu'un d'autre. Je veux qu'on sache, je même les yeux fermés, qu'on sache qu'on est chez Lilika. Chez Lilika. Voilà. Alors, des vœux, Lilika. On a vraiment... En tout cas, c'était bon. Ce n'est pas parce qu'elle est là, mais quelqu'un d'autre peut venir là derrière. On a bien mangé parce qu'elle retourne avec les assiettes vides. Okay. Si on peut même filmer ses assiettes. On va voir. Vides, hein, de chez vide. Charlie, il y a quelqu'un qui nous appelle de Brazzaville. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, comme bon ami, au Beng Bisso, Tozo Yokayo. Moi, à Brazzaville, je sais comment on a eu, mais c'est les gosses qui... Voilà, tout ce qu'il y a, le biboni. Vraiment, merci. Je suis très bien vu la vie de balais. Oui. Je suis très bien vu la vie de la vie de Kinshasa. Et je suis très bien vu la vie de Kinshasa. Je suis très bien vu la vie de Belgien, la vie de Lemba. Oui. Merci beaucoup, bonne année à vous. Alors Lilika, quand même, est-ce que tes filles là ne peuvent pas dire un mot? On passe le micro à celle qui est là. Au Jocelyne. Et puis au Yebisibiso, Venayo, présentant par Nani, Kombo Nani. Oui, je m'appelle Jocelyne Boyoka. Oui, Jocelyne, vous présentez Venayo. Oui, premièrement, je présente mes voeux à vous deux qui sont présents. Je présente aussi mes voeux à la famille Boyoka, c'est ma famille, à la famille Boapapa, à tous mes amis de l'école Ngemba. Je les salue tous. Willy Boapapa fait partie de ta famille? Oui, bien sûr. Il y a l'ingar ou pas seulement pas musicien Bayembele, quand on met pas des fois, ouais. Voilà. Ah, alors, okay. On passe à la deuxième dame. Comment tu t'appelles? Et puis, je m'appelle Sylvie Amba. Sylvie, au banc à micro. Alors, Sylvie, présentez Baveno Panani. Meilleur vœu à mon petit frère Joël. Meilleur vœu à ma mère Bébinta. Seulement ton petit frère et à ta mère. Voilà, et puis en dernier lieu, Kombonani, Opesi Baveno et Panani. Cathy, mais j'ai des amis qui m'appellent Kate Holmes, comme ça. Kate qui? Holmes. Kate Holmes. Ouais. C'est qui Kate Holmes? Bon, c'est une actrice américaine comme ça. Tu le ressembles un peu? Bon, je réagis un peu comme elle. Ah, c'est un peu de réagir comme elle. Elle réagit tout à l'heure là comme elle, vraiment total. Bon, c'est une fille, souvent elle est timide. Mm-hmm. Quand elle rit quelque part. Mais ouais, c'est un peu ça. Toi aussi, tu es comme ça. C'est un peu ça. Donc, quand on te voit là, elle est timide, mais tout à l'heure là. Ça, avant, on va bien avant, voir. Avant, on va voir. Alors, présentez ma vœu de pas. Bon, je présente mes vœux à maman, ma maman chérie d'abord. Mm-hmm. Et puis à mes frères et sœurs. Sans oublier ma maîtresse qui est là, Lilika. Regarde là. Sa maîtresse, ouais, Lilika. Madame Lilika qui est là. Et bon, disons à tout Kinshasa, à tous ces gens-là qui nous suivent de partout. Et aussi, bon, à toutes mes collègues de l'Institut, à l'Institut Alizipa. Merci beaucoup. D'accord. On passe le micro à ta maîtresse. Alors la maîtresse, je crois que tu dois être fatiguée. Tu dois aller te reposer parce que demain, aujourd'hui déjà c'est le premier et quand il fera jour, tu dois t'occuper de tes clients qui viendront. Et le restaurant ouvre à quelle heure? Ça ouvre à quelle heure? Les restaurants ouvrent à midi. À midi. Mm-hmm. Alors tu rôles la cuisine ouvre à midi. Tu rôles le temps de te reposer. Mm-hmm, tout à fait. Alors pour qu'on te libère, tu dis quoi exactement? Ben j'invite tous ceux qui nous regardent en ces moments et ceux qui de venir sur place et demain venir manger. Ils verront que ce n'est pas des bobards qu'on raconte ici. D'accord. Donc, le restaurant On Dîne chez Lilika Théolo, c'est sur l'avenue Luapula, numéro 116, à la commune de Kinshasa, au croisement Kassavubu Kabamba. Et Kabamba. Avant, c'est bien cela. Avant Croix-Rouge. C'est bien cela. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on va te libérer avec toutes tes demoiselles. Comment on les appelle alors? Le vœu, tu n'as pas fait. Le vœu, on y va, on revient. Alors, tu présentes tes vœux à qui? Voilà, je présente mes vœux à toute ma famille, à Tryphène, à mon père, M. Théolo, à ma mère Sophie, à ma grand-mère Marie, à mon grand-père Paul, et à mes serveuses ici présentes, celles qui sont absentes, à Odile qui est un peu malade, bonne guérison à toi. Et aller se soulager. Oui, aussi à elle. Mais le pas de l'église, c'est pas celle-là avec qui j'ai dansé. Là. Thierry, arrête de l'attaquer. Bon, okay. mes meilleurs voeux à Papadouki, à mes gardes, Eddie et Tigre. Meilleurs voeux à... À tes gardes, là. Oui, ah, bah, les gardes de chez moi. Les restaurants qui gardent les restaurants. Ah oui, tout à fait. Eric, Lucas, et justement, j'ai fait un coucou. Eh ben, la taille olympique, c'est lui, non? Oui. Le baraqué, là.